cela, je suis preneur de la gauche depuis je suis le 1er janvier, parce que bon, je suis arrivé avant, mais j'ai signé à partir du 1er janvier parce qu'il fallait attendre l'ouverture des dates du mercato. Et voilà, ça fait 6 mois que je suis là et je me remets bien de ma blessure. Ça fait 6 matchs déjà que je joue. Et voilà, j'espère que je vais en faire plus. Tu es dans la liste de Costa, qu'est-ce que ça te fait? Mais déjà, ça fait plaisir de retrouver déjà la liste. C'est vrai que ce n'est pas les 23, mais déjà, ça fait plaisir parce que, comme je disais, j'ai quand même fait 6 mois sans rien faire à cause d'une blessure au ligament. Donc, il fallait me remettre. Aujourd'hui, je suis déjà content d'être parmi ces réservistes-là et quitte à moi de travailler encore davantage pour pouvoir retrouver les 23. Ton objectif, c'est vraiment réintégrer totalement l'équipe nationale? Bien sûr, déjà, d'abord, l'objectif premier d'un footballeur compétiteur, c'est de représenter son pays valablement, de porter le drapeau haut, quelles que soient les conditions. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas encore fait, je vais travailler pour pouvoir le faire. C'est ça, d'abord, ma première priorité. Et ma seconde priorité, c'est aussi le club. Il faut être bon en club pour pouvoir prétendre venir en équipe nationale. Donc je travaille davantage et j'espère que ça va se faire d'ici là. Quelle est la situation du club actuellement? Ben ça va, le club vit bien, on est premier du championnat, on a un match en retard, on a le deuxième qui a 4 points. C'est vrai, rien n'est encore acquis, c'est juste la phase aller, il nous reste encore.